être à 2 heures d'avion seulement des grandes villes européennes, a développé une nouvelle forme de tourisme qui intéresse beaucoup les étrangers. Comme Francis. Il arrive de Perpignan. Stevie, bonjour, tu vas bien? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. En forme? Ce Français a droit à un accueil VIP. Il vient ici pour la 3e fois. Il a fait 1500 km pour se faire poser des implants dentaires. Il y a des dentistes quand même en France. Oh non, en France, c'est hors de prix. Pour moi, c'est hors de prix. Pour le même travail, c'est entre 15 et 20 000 euros. Francis n'avait jamais mis les pieds en Albanie auparavant. Oui, merci. Voilà. Grâce au faible coût de la vie, les tarifs sont en moyenne 2 à 3 fois moins chers qu'en France. C'est bien pour le contrôle. Bonjour à tutti. Bonjour. À peine arrivé, premier rendez-vous pour Francis. Le téléphone, ça gêne dans la poche. L'année dernière, il s'est fait refaire toutes les dents du haut pour 6 400 euros. Fermez. Ouvrez. Fermez. Tout va bien, vos implants sont solidement fixés. On peut sourire comme maintenant, on peut rigoler. On n'a pas besoin de mettre la main parce qu'on a un petit peu honte, quoi. Ça vous change la vie, mais du tout au tout en 24 heures. Content de sa première opération. Je vous remercie beaucoup. Francis a décidé de refaire ses dents du bas. Ce qui a séduit ce Français, ce ne sont pas seulement les prix, mais l'offre globale qui lui est proposée ici. Une sorte de formule all-inclusive. Ok, c'est super. Pour le même prix, la clinique lui met un logement en plein centre-ville à disposition. Francis doit juste prendre en plus à sa charge les billets d'avion et les repas durant son séjour. Vous auriez imaginé, il y a 10 ans, vous faire opérer ici, en Albanie? Mais jamais de la vie. Même pas, j'imaginais partir en vacances en Albanie, il y a 10 ans. Je ne regrette pas. Super. L'hôtel appartient au propriétaire de la clinique. Dritan Grémy et sa femme, Anna. Fine, thanks. Thanks a lot. Ça va, tout se passe bien? Tout est parfait. Aujourd'hui, dans sa rue, il est un peu connu comme le loup blanc. Pour rassurer les touristes les plus sceptiques, Dritan Grémy a pensé à tout. Locaux modernes, matériel dernier cri, professionnel aguerri, produits conformes aux normes européennes. Et toute une armée de petites mains, chargées de recruter les clients via les réseaux sociaux. Ils viennent de France. Votre solution, celle avec 8 implants. D'Italie. Si vous voulez, je peux aussi vous écrire sur WhatsApp. Ou même des États-Unis. Vous savez, il neige très rarement à Tirana. Dritan ne s'est pas arrêté là. Il a également investi dans des hôtels, des restaurants. Les habitants surnomment désormais ce quartier Grémyland. Pour l'instant, c'est le sourire et la vie de 15 000 patients comme Francis qu'il change. Bonjour. Le Français reviendra dans 6 mois, se faire poser ses dents définitives. Ça va, chef? En attendant, il a le droit à des provisoires. On va pouvoir croquer la vie à pleines dents. Et je suis venu en Albanie, en même temps j'ai découvert un nouveau pays. Le chiffre d'affaires du tourisme dentaire est estimé à 100 millions d'euros. Il devrait tripler d'ici à 5 ans.